Bienvenue à la 62e édition de l'Omloop van Vlaanderen, 7e manche de l'édition 2022 du Cronul Belgian Rally Championship. Voici le leader dans ce championnat, nordiste Stéphane Lefebvre, avec le pilote Andy Malfoy. 4 victoires sur 4 rallyes cette année. Et Lefebvre est bien sûr le grand favori pour la victoire ici, bien qu'il n'a encore jamais roulé ici. Sur les spéciales autour de Roulex, et comme vous voyez, il a plu juste avant le départ. Tous les pilotes ont pris des pneus pluie. Lui aussi, Gino Bux. Plusieurs podiums cette année. Deuxième au championnat. Nicolas Gilsoul à ses côtés. Et Vincent Versuren avec Philippe Cuvelier au départ avec sa VW Polo. Ancien vainqueur ici à Roulers. Schuren va tenter de se rapprocher de Stéphane Lefebvre, bien qu'il sait que ce ne sera pas facile. Maxime Potti aimerait bien finir sur le podium ici à Roulers. Renaud Herrmann à ses côtés dans la Citroën C3 Rallye 2. Petit est quatrième après la première boucle de 3 spéciales. Niels Reinvoet a été victime d'une sortie à l'Ypres Belgium Rally. Il a su continuer par contre, pris un peu plus d'expérience. Il manque un peu de confiance ici pour les routes glissantes de l'Omloop van Vlaanderen. Histoire identique pour Pietrian Michiel Krakow. Aussi une sortie à Ypres avec sa Hyundai i20. Krakow 5e après 3 spéciales. Beaucoup de spectateurs, surtout pour la super spéciale du zoning. Voici Marianne Griebel qui mène en Stellantis Rally Cup Belux avec sa Peugeot 208 Rally 4. Gilles Pic et Emile Maurice sont en tête du Clio Trophy Belgium. En M-Cup, Kurt Brakveld et Björn Vram sont deuxième dans la coupe réservée au BMW. Il y a des BM dans la catégorie des historiques aussi. Danny Kerkhoff est deuxième au volant d'une M3E30. Mais c'est lui qui est en tête parmi les historiques. Pietrian Maillart avec une voiture identique. Maillart aussi 11e à la fin de la première journée. Bert Kuhn en tête des Masters réservés aux pilotes de plus de 50 ans. Kuhn et Petra de Deutz sont 9e au général, juste derrière le grand spécialiste hollandais des polos, Eric Wevers, avec son copilote Jalmar Van Weeren. Et voici une des voitures les plus spectaculaires de l'Omloop van Vlaanderen, la Porsche 997 GT3 de Andy Lefebvre et Mark Knoppe. Van de chicane links houden, links, rechts, links en 50. Oei, rechts houden beter. Links sluit 25 portuur. Petite erreur pour Krakow, mais toujours 6e. Pietrian een beetje te voorzichtig. Pieter un peu trop prudent ici. Oui, peut-être bien, beaucoup trop prudent. Il nous manque un peu de confiance. On la recherche et voilà. Je crois qu'on a bien étudié les onboards et les notes, ce qu'on peut améliorer. Donc on va essayer de s'améliorer dans la deuxième boucle. Niels Reinvoet, 5e dans sa Skoda Fabia qui partage avec Diederik Patin. C'est super moeilijk. Oui, c'est très, très difficile ici sur les deux premières. J'ai pris beaucoup de marge, mais j'ai quand même fait 2 petites erreurs. Donc voilà, chaque détail est important. Chaque petit détail peut causer une erreur. Et parfois, il est plus sec. Et après le virage, c'est à nouveau glissant. Donc, il faudra être très prudent et finir la journée sans faute. Maxime Potti et Renaud Herrmann, 4e à la fin de la première journée. Bonne première journée, bonne première 5 spéciales pour Potti et Herrmann. Gino Bux par contre fait un léger erreur dans la super spéciale du zoning. La voici. Mais un peu de chance pour Bux et Gilsoul aussi. Il a garé sa voiture juste entre les deux rochers.
Ouais, une bonne chaleur dans le zoning. Grosse erreur d'appréciation de ma part. Je fais vraiment une erreur de pilotage. Je rentre beaucoup trop vite dans le virage. Et voilà, j'ai réussi à la parquer entre deux rochers sans les toucher. Donc ça, c'était un peu de chance. Lux a donc perdu un peu de temps sur Vincent Verschuren. Ici, les deux se suivent sur la super spéciale du zoning. Comme vous voyez, dans les deux dernières spéciales, il recommence à pleuvoir. Et Vincent Verschuren fait une petite erreur aussi, qui lui coûte un peu moins de temps que Gino Bux. Vous aimez mettre l'eerste groupe ? Oui, on est dans le petit groupe qui mène, ce qui est très important ici. Mais il était très, très triqué. Parfois, c'était plus sec qu'on attendait. Mais voilà, ça, c'est très, très difficile. Un peu comme Ypres. Ypres, où le choix de pneus était très important, ce qui était le cas ici à Roulers aussi. Et à la fin de la première journée, il y a 10 secondes 8 entre Stéphane Lefebvre et Vincent Verschuren. Droitier, 140 mètres à la haie, droite 167, ferme 140 à la barrière. Sur gros frein, 70 mètres gauche, 11 sur tourne, tenir rail. Bonne première journée donc pour Lefebvre et Malfoy. Ouais, vraiment difficile, on a vraiment pris une grosse averse tout à l'heure à l'assistance avant de partir. Et faire le choix de pneus était vraiment pas évident. Bon, on a quasiment tous fait le même choix de pneus, à part pour la super spéciale dans le zoning. Mais ouais, ça a été compliqué. Verschuren, il suit très proche. Hein. C'était prévu, hein. On le savait très bien que Vincent ici, c'est un terrain qu'il aime bien. Et je savais très bien qu'il allait m'embêter ce week-end, donc pourvu que ça continue. Le classement après les 5 premières spéciales, Lefebvre devant Verschuren, suivent Bux, Potier et Reinvoet. Et Krakow, Lefebvre et Wevers complètent le top 8. Deuxième et dernière journée de la 62e édition de l'Omloop van Vlaanderen. Il reste 14 spéciales à parcourir. Sur Gauche 15 en frein, 20 mètres, Gauche 30, bref, titre chantier. Gauche 30, bref, titre chantier. Et il frappe gauche, 23 à fond bref. Pour frappe droite, 25 bref. Charles Munster, deuxième en Stellantis Rally Cup. Voici le leader en Clio, Casper Nielsen. J'aime beaucoup les étapes ici. Ils sont très vite, mais il faut être très prudent parce que c'est très glissant. Une autre Clio en version Rally 4, celle-ci. Avec Gilles Pic au volant, en tête des juniors. Chez les juniors, ça va très bien. On est en tête. Dans la classe, en RC4, on s'est fait passer par Marian Griebel. Par contre, on a fait deux petites erreurs. Mais il faut être très prudent et on va essayer de s'y remettre maintenant. Et que les fautes sont vite faites. La preuve avec Julian Wagner, l'Autrichien. Il était deuxième en Stellantis Cup, mais c'est la fin pour l'Autrichien et c'est sans doute aussi la fin de ses chances pour le titre dans le Stellantis Cup Belux. Parce que maintenant, Marian Griebel a beaucoup de points d'avance s'il termine ici à Roulers. Mais il n'y a rien qui pourrait l'arrêter. Francky Boulat en tête de l'M Cup. Toujours spectaculaire, tout comme les BM du championnat historique. Toujours Danny Kerkhoff deuxième, mais à presque 2 minutes du leader, Pieter-Jan Maillart qui est aussi dixième au général après la première boucle du samedi. Des problèmes pour Nicolas Stampart par contre, qui sort du top 20 avec sa Ford Fiesta. Avec une autre Ford Fiesta, Bert Kuhn et Pedra de Deutz sont toujours aux têtes des Masters et 9e au général. Quelques 10 secondes derrière Kurbon et Thijs Ozeel dans leur Mitsubishi Lancer Evo 10. La version RC1 de la Lancer. Eric Wevers et Jean-Marc Van Weeren en 7e position. Il manque peut-être un peu d'expérience sur les routes de Roulers, ce qui n'est pas le cas pour Andy Lefebvre et Marc Knoppe. Toujours 6e avec leur impressionnante Porsche.
Oui, on habite dans le coin et je connais bien les routes ici. Et en plus, la voiture va très bien, mais je dois avouer, hier, dans l'humide, c'était quand même une bonne surprise qu'on était tellement haut dans le classement. Maxime Pouty était quatrième en lutte pour une position sur le podium, mais malheureusement, ça va mal tourner pour Maxime Pouty et Renaud Herrmann. Regardez depuis l'onboard de Krakow et Vermeulen à droite derrière le virage. Oui, ça va très bien. On avait des petits problèmes avec la voiture, mais je crois qu'on l'a résolu. Mais on va continuer comme ça. Peter Michiel Krakow, cinquième maintenant dans sa Hyundai i20. Difficile donc de gagner des places, tout comme pour Niels Reinwood qui est quatrième maintenant. Niels, avant la rallye, tu disais ouais, ce serait bien d'avoir un podium, mais c'est peut-être encore un peu trop dur pour nous. Mais tu es quatrième pour le moment. Ouais, mais il devra se passer quelque chose devant pour que je gagne encore une place. J'ai pas la vitesse pour combler l'écart de 20 secondes, mais on est très content avec la quatrième place. On fait des bons temps, ce qui est important aussi. Et voilà, on va essayer de continuer comme ça dans les spéciales qui restent. Gino Bux, troisième. Bon, on fait une erreur, on perd quand même pas mal de temps hier dans le zoning. Et malgré ça, Vincent est un petit peu plus rapide que nous pour le moment. Moi, je prends un petit peu plus de temps que prévu d'arriver à me fine-tuner moi-même et fine-tuner un peu les réglages aussi. Donc voilà, je pense qu'on est à notre place. Je vais vraiment essayer de m'appliquer pour pouvoir essayer de me rapprocher en termes de rythme des deux meilleurs. 23 secondes entre Gino Bux et Vincent Rochure, ici deuxième. Oui, on est toujours très près de Stéphane, mais c'est juste pas assez. On a été plus vite quelques fois, mais lui est plus constant que nous dans ses performances. Bien sûr, on a fait une petite erreur hier et on a perdu 7 ou 8 secondes. Mais voilà, je crois qu'on est une 27 secondes derrière. Ça va être très dur de le rattraper, je crois. Gauche 90, rasé limite, trop inter. Gauche 90. 100 mètres. Fin et droite 151 fond. Stéphane Lefebvre et Andy Malfoy toujours en tête après 10 des 19 spéciales. Les conditions sont nettement plus faciles donc on peut rouler quand même nettement plus en confiance. Et voilà, on a roulé il y a 15 jours à Ypres, on est vraiment dans le rythme. Et je suis vraiment en confiance avec la voiture donc on roule bien sans trop en faire. Et ça marche donc on va continuer comme ça cet après-midi. Voici le classement après 10 spéciales. Lefebvre doit envoyer sur René Bux. Suivent Reinwood, Krakow, Lefebvre, Wevers et Bonne. Rendez-vous après la pause. De retour à Roulers pour la 62e édition de l'Omloop van Vlaanderen, 7e manche de l'édition 2022 du Chrono Belgium Rally Championship. Voici Benoît Verline qui est deuxième dans la Clio Trophy Belgium. Derrière Casper Nielsen qui gère la course très facilement, a pris beaucoup d'expérience pendant l'été, le Danois. Il roule très bien pour le moment. Charles Munster deuxième dans le Stellantis Motorsport Cup Belux. Assez loin du leader qui est Marianne Griebel et deuxième dans le classement des juniors aussi derrière Gilles Pic qui mène avec sa Clio Rally 4. Et voici Marianne Griebel
et Tobias Brown en tête donc du Stellantis Motorsport Cup Belux. Au général, Kurbone est toujours 8e et toujours très spectaculaire aussi. Tout comme Eric Wevers et Jean-Marc Van Weeren 7e avec leur VW Polo. Favori des spectateurs, Andy Lefebvre et Marc Knopp avec leur Porsche 997 GT3. Ils gardent leur 6e position au général à 4 spéciales de la fin. Ils sont à 1-6 de 1 minute 6 secondes de Pietrian Michiel Krako. Il sera difficile d'encore gagner des places. Links over het top afval, 80, even topje en wordt 50 exit, Herpen links, glad uit, glad uit. En links over het top afval, 150. Oui, cet après-midi ça allait très bien, on a fait le deuxième et troisième temps, on peut pas se plaindre. Nils Reinwoud, quatrième toujours, 36 secondes devant Krako. Laat couperen opent om 80. Links af vol couperen. En 100. Rechts af vol. Mais devant, tout reste encore possible avec des problèmes moteurs pour Vincent Versuren. Gino Bux est revenu à 4 secondes 4 de U. Pilote VW. Dans la deuxième boucle, nous-mêmes, on a roulé un peu mieux et on a pu profiter des petits ennuis que Vincent a eu, ce qui a un petit peu remis les choses à égalité avec mon tête à queue d'hier. Mais voilà, je pense que maintenant, ces soucis étant réglés, la bagarre, elle va être difficile. Maintenant, rien n'est perdu. On annonce peut-être de la pluie. On est tous partis en slick, donc ça redistribue les cartes. 4 secondes, 4 donc entre Bux et Verschuren. Si les problèmes ne se résoutent pas, tout reste possible pour les places sur le podium. Oui, on perdait un peu de puissance ici dans la deuxième boucle. Mais on a su le résoudre, heureusement, mais on a perdu beaucoup de temps, bien sûr. Mais voilà, on doit faire tout sur tout. Les conditions météo sont un peu changeantes. On a changé pour les pneus secs, tout comme Gino. Lefebvre un peu sur les pneus pluie. Donc voilà, ouais, tout reste possible. 40 mètres frein, gauche 121 tour, tenir rasé sur frein, droite 120 moins 10 mètres piège, gauche 111 tour, tenir sale qui referme, 200 mètres, frein rail poussière pour piège, pourri droite 112 stable, 80 mètres, gauche 131 tour, mi-corde. 57 secondes et demie d'avance pour Stéphane Lefebvre à 4 spéciales de la fin. Ça va, on a vraiment bien roulé aujourd'hui. Mais j'ai été efficace parce que les routes sont glissantes et on essaye de vraiment accélérer tôt et de pas trop patiner et ça marche. Je pense que voilà, le fait d'avoir fait Ip il n'y a pas longtemps, on est dans le rythme et je suis vraiment à l'aise avec la voiture. Donc tout va bien. Et voici le classement à 4 spéciales de la fin. Stéphane Lefebvre a presque une minute en main devant Versuren et Bux. Les 4 dernières spéciales de la 62e édition de l'Omloop van Vlaanderen. Victoire retentissante pour Casper Nielsen dans la Clio Trophy Belgium. Une aussi belle victoire pour Marianne Griebel dans la Stellantis Motorsport Cup Belux. Gilles Pic prend la victoire parmi les juniors. Il finit 13e au général aussi avec sa Clio Rally 4. 10e général pour Pietrian Maillart et victoire parmi les voitures historiques. Belle performance pour Maillart et copilote Yves De Wulf. Très belle perf aussi pour Andy Lefebvre et Marc Knopp. Vainqueur en GT et 6e au général. Toujours un plaisir de
regarder et surtout écouter la Porsche sur les routes de Roulers. Pieter-Jan Michiel Krakow a oublié sa sortie d'Ypres. Très belle performance ici, se conclut avec une cinquième place. Cinquième donc pour Krakow et copilote Jasper Vermeulen. Et une belle quatrième place aussi pour Nils Reinhout et Diederik Patin. En rechts 10 of vol couperen. En 80 links achter Pettig. Niet sneden. 100. Rechts 15. Diep couperen. Denk dat we terug in ons ritme zitten. Oui, je crois qu'on est à nouveau au même niveau d'avant notre sortie de début de saison. On a fait du bon boulot ici. Voilà ce qu'on peut être content. Mais maintenant, on doit essayer de continuer sur notre élan dans les rallyes suivantes. Et ce sera très dur. Gino Bux n'a pas su gagner une position dans les quatre dernières spéciales. Il termine à 15 secondes. Mais à nouveau sur le podium. Troisième place pour Gino Bux et Nicolas Gilsoul. Il reste deuxième au classement du Cronoil Belgian Rally Championship. Vincent Roussuren et Philippe Cuvelier rajoutent une deuxième place à leur palmarès. Oui, tout était bien dans la dernière boucle. On a fait des bons temps, on a gagné un peu de temps. Mais bien sûr, voilà, c'était un peu difficile de le rattraper parce que Stéphane était déjà loin devant. Effectivement, cinquième victoire sur cinq rallyes en Belgique pour Stéphane Lefebvre et Andy Malfoy. Une très belle victoire à nouveau pour le duo. Encore un bon week-end, franchement. La météo a été capricieuse ce week-end, hein, mais on s'en est bien sorti, on a vraiment bien roulé, on est resté sur les acquis de Ypres et ouais, je suis vraiment content. Encore une fois, merci à l'équipe parce que sans elle, je ne serais pas là. Et 5 victoires sur 5, je ne pouvais pas espérer mieux en début d'année. Et voici le classement final de la 62e édition de l'Homme Plan Vlaanderen. Lefebvre devant, Versuren suive, Bux, Reinhout et Krakow. Et Andy Lefebvre, Eric Wevers et Kurbon complètent le top 8. Et tout ça donne ceci au classement du Cronoil BRC. Stéphane Lefebvre a maintenant 39 points en main sur Gino Bux, suivre Schuren, Grégoire Munster, Adrien Fernemont, Maxime Ponty, Nils Reinhout et Guylain de Mévius. Et pendant que le champagne coule à Roulers, on se donne rendez-vous pour l'East Belgian Rally dans deux semaines.